Bonsoir, vous êtes bien sur Crazy Narvino TV. Salut, on a été en train de se marrer parce qu'en fait, ça fait des rares, oui. Oui. Parce qu'en fait, à ce moment, il y a un grave débat qui anime notre rédaction. Oui, 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 oui. Et donc, c'était de ça qu'on avait envie de parler. Oui. Hein oui. Alors, donc, je te laisse un petit peu présenter la. Bah, on a reçu un courrier. Voilà, on a reçu un courrier qui dit que maintenant, il y en a marre parce que vous êtes trop décalé. Oui. Mais trop décalé. Enfin, je sais pas si c'est décalé qu'ils ont voulu dire, mais ouais. Enfin, on était dans la totale ringardise. Voilà. Dans la totale ploucardise. Ploucardise. Hein? Voilà. Donc, ça nous a un peu. Enfin, moi, ça m'a un petit peu ouais. Dépité. Oui, bah oui, c'est-à-dire que c'est lui qu'on voit le mieux comme dans la totale ploucardise. Voilà. Hein? Voilà. Ben, moi, c'est. Peut-être second degré, ils ont dit. Voilà. Tandis que moi, il paraît que ça fait un peu trop oui, toi, authentique. Trop, oui, toi, c'est ça. Il est authentique, lui. Voilà, il paraît que je suis authentique. Ah, ouais, c'est ça. Alors, moi, ça m'a un peu énervé. Ah, bah oui, c'est normal, ça l'énerve. Authentique, hein? Oui. Ça craint, quoi. Bah oui. Tu te fais traiter d'authentique. Bah non. Non. Hein, hein? Ouais, ouais, voilà. Ça va pas. Donc voilà. Donc on a décidé quand même de réagir. Mais oui. Et voilà, donc on a été faire un stage. Voilà, on a été faire un stage pour essayer de remédier à notre poucardie. C'est ça, mais alors on a été dans un stage de relooking extrême. Voilà, relooking extrême, c'est vrai. Ouais. Ouais. Parce que maintenant on est tout dans l'extrême. Ouais. En fait, c'est une copine. C'est une copine, oui. On doit le dire, c'est une copine à Samantha. C'est ça. Ouais, qui nous a contacté. Josie. Voilà, Josie. Toujours pareil, elle nous en veut même pas d'avoir un peu tabassé la dernière fois. Voilà. Donc, on est allé faire le stage. Oui. Et on va vous expliquer un petit peu ce. Ben, on va vous montrer le résultat. Non, mais c'est. Voilà. En même temps, je veux dire un truc, c'est qu'on n'était pas tout à fait chaud pour ce genre de truc. Ah non. Ah non. Non, non. Moi je n'étais pas. Non, parce qu'on avait quand même. On pensait vraiment qu'on avait. Non, mais c'est vrai qu'avec Josie sur le coup, oui. Moi j'étais un peu plus chaud. Oui. J'étais un peu plus chaud. Nous on pensait qu'on avait un look relativement affiné. Voilà. Complètement in the move. Ouais, enfin, moi je m'étais fait. Moi j'avais tapé sur un look Harrison Ford. Oui. Et on m'a dit que ça faisait pas Harrison Ford. Ouais, bah non, pas du tout, c'est vrai. Moi ma mère pensé toute sa vie que je ressemblais à. Comment il s'appelle Gérard Philippe. Voilà. Alors, mais, bah non. À Philippe peut-être. Mais... Bah peut-être à Philippe. Mais pas à Gérard. Tu ressembles pas à Gérard. Non. Non. Bah non. Mais, oui. Donc voilà. Oui, bah oui. On rigole. Non, mais c'est pas drôle du tout. Parce que pour pas pleurer. Hein. Bah oui. Ouais. Enfin bon, on a été faire le stage de look extra, mais on va vous le montrer tout de suite après ça. Voilà. Voilà. Hein. Voilà le résultat. Et voilà. Voilà le résultat. C'était pas évident. Hein, c'était pas évident. C'est une expérience qui nous a enrichi. Ah ouais, énormément. Hein? Non, moi, ça m'a amené un supplément d'âme. On a l'impression que t'es arrivé à un degré de réflexion supérieur. Exactement. Et je trouve que ce relooking extrême oui. Met bien en évidence l'intelligence humaine. Quoi. Oui. Là, vraiment, j'ai l'air plus intelligent. Oui, oui c'est indéniable. C'est indéniable. Ouais, on a l'air tous les deux beaucoup plus intelligents. Fait, ouais. Et là, du coup, on oublie l'authentique. C'est fini. Et le typique. Non, c'est terminé. S'il y a un truc, un objectif qui est atteint, c'est bien celui-là. Il est atteint. Oui. Là, tu n'es absolument pas typique. Voilà. Comme toi, d'ailleurs. Ah, bah oui. Non, c'est réussi. Hein. Et puis, toi, tu ressembles plus du tout à Paul Prébois. Ah, non. Ça, c'est. Et toi, tu peux oublier Sim, d'ailleurs. Oui, bah oui. Mais... Bon, en plus, c'est le nouveau matériau, quoi. Oui. C'est high-tech, high-tech, quoi. Oui. Et puis, on n'est pas référencé à quelque chose qui est déjà vieillissant. On est dans l'au-delà de. Ah oui, parce que quand même la référence. Là c'est quand même la référence telle de nœud. Oui. Et on peut dire que là, oui. Oui, c'est une référence qui va exister. Ah oui. Oui, oui, bah, c'est une nouvelle époque qui s'ouvre. Hein. Mais oui. C'est une nouvelle époque qui s'ouvre. Mais c'est ça, l'élan vers l'avant, vers le. Oui, le. C'est vrai ce que tu dis sur la référence tête de nœud qui est moteur. C'est une moto. C'est moteur. Moi, ça m'a animé. Hein. Oui. Ça m'a animé. Bah oui, parce que. Bah oui, ça se voit tout de suite. Ah, bah oui. Puis bon, on avance comme ça. Quoi.
On ne peut pas rester sur le Henri II, les valeurs, etc. Là, tout de suite. On ne vieillit plus. Là, on vit. Voilà, absolument. Mais à 100 à l'heure. On a un indice de pénétration dans l'air qui est largement supérieur à tout ce qui existe. La devise de l'OM, droite au but, elle est dépassée. C'est du has-been de chez has-been. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule, faudrait que ça a de la gueule. Ça frise le décollement de rétine. C'est très punchy, on sent qu'il y a un dynamisme. Et puis en plus, on sent qu'il y a vraiment de la réflexion. Je suis assez ému. Il y en a sous le capot. On sent que sous le capot, il y a... Il y a tout ce qu'il faut, là. On est bien munis, là. C'est comme si on récupérait un paquet de neurones. Là, il y a de la munition. En plus, ça fait chaud au cœur. Ça réconcilie, quoi. Écoutez, on va quand même... vous laissez, vous nous écrivez pour vos impressions, tout simplement. Allez, ciao, ciao.